Madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur la chaîne Radio Palais Haïti, Radio La Voix du Peuple. Et retournez encore à faire une autre émission. Je salue tous les amis qui brèchent Radio. Fanatique inconditionnel, chaîne Palais Haïti, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous. Gardez des trois agents Bessap, et bien, qui sont dans la localité Romarie-Barou, et bien, sous Wanamet, et bien, ils mettent en bas code, ils ont Dominicain. Dominicain, ça lui-même, et qui n'a kidnapping dans le pays. Et bien, ils mettent monsieur en bas code. Alors, nous connaissons, dans le moment où on a parlé là, en pile Dominicain dans le pays. Et yo monté groupe gang yo, alors on a regardé deux trois agents Bessap qui mettent la patte sous Nexa. Et bien Nexa a un groupe gang dans le pays d'Haïti, ils sont dominicains, rentrer dans le pays a vinn faire cob en a messe dans insécurité qui dans le pays d'Haïti. Mais c'est profiter insécurité a pour faire cob dans le pays a, et bien agent Bessap yo qui font bel travail sous frontière qui mettent la patte sous dominicain si là madame messe. Alors gang pour le pays a, gang pour le pays a, mais dominicain yo même yo rentré vinn faire cob, vinn profiter insécurité dans le pays d'Haïti. On allez. Si une émission spéciale, et bien côté Gaye Stanley Luca. Stanley Luca qui t'a parlé dans l'émission jodi a là, et bien qui veut un message by peuple là et li parler avec peuple haïtien, li by technique pour peuple là capable craser système ça qui là. Stanley Luca, li veut un message by peuple là, li by en pile technique pour peuple là craser système ça et dans mois de novembre qu'a venir là, jusqu'à mois de novembre pour système là craser. Alors, et message là, je suppose fait peuple là, tant de messages là, je pense que radio là, en pile monde branché. Message là pour le passer, je ne vais pas passer tout, mais je vais passer, ça me passe là-dedans, je pense que peuple là, il y a tant de messages là. On a les. Parlez Haïti. La famille haïtienne, et bandit, censé faire la loi, et ceci, dans la nuit, la journée, et plusieurs endroits, notamment dans la région métropolitaine Port-au-Prince là. Et en plus, on commence à poser question et qui côté ZAM et qui te promet à Haïtien côté ZAM ça va passer puisque yo poko wè yo et yo poko wè policier yo et en fait et dans la rue avec matériel ça yo et insécurité ali chaque jour vinn pire côté même policier pas épargné. Donc hier dans Meyer dans Croix des Bouquets gagné et un inspecteur de police qui mouri pendant que l'étape sorti l'église. Donc son situation qui inquiétant et Stanley Luca et qui gens ou même ou comprennent ça qu'a passé à et qui gens ou interpréter lenteur bon côté autorité constituée pour porter réponse à phénomène ça. Merci pour question ça. Et dans pays Salvador, autorité l'État yo bon stratégie pour gommer contre gang qui relé gros point. Dans stratégie ça, gain intelligence, gain l'armée, gain la police, yo dépensé 139 millions de dollars américains pour bay la police à l'armée et intelligence tout outils que yo besoin pour craser gang et autorité l'État dans Salvador. Pas dans confio l'eau à gang. C'est pour ça, yo touye à peu près 3000 gang, yo arrêté 43000 et tout leader politique et oligarque qui nan gang, ben yo gen même traitement que gang yo recevoir. Tandis que nan pays d'Haïti, c'est l'État même qui nan gang. Et lettre de démission envoyé spécial américain Daniel Foote, un deuxième paragraphe depuis septembre 2021. Di Ariel ap jere gang. Lis Kitel nan gang. Bertrand Dorsé, un ancien drug dealer, passe 6 mois nan prison, nan nip li nan gang. Donc si autorité l'État nan gang, qui est-ce qui va inquiéter gang nan? Faut nous garder et analyser et faire radiographie kay insécurité a. Kay insécurité a gen 3 étages. Nous toujours parler de troisième étage là qui gain barbecue G9 qui gain l'amour 100 jours 400 maozo qui gain vitel homme innocent qui gain iso qui gain tilapli qui gain chien méchant et la trier toute la journée n'a parlé de troisième étage là mais premier étage là à deuxième étage en sécurité a nous pas jamais font discussion sérieuse sous lit en dedans pays a. Dans le premier étage, là, ou gen Reginald Boulos, ou gen Dimitri Vob, ou gen Jean-Marie Vob, ou gen Pacha Vob, ou gen Jean-Bertrand Aristide, ou gen Michel Matéli, ou gen Jocelyne Privé dans le premier étage. Là. Nous ne pouvons jamais discuter de lui.
dans le deuxième étage, là, qui a Kitel, qui a Berto, qui a André Michel, qui a Nenel Kassi, qui a Rika. Non, qui a dit là, pas nous-mêmes qui inventé, non, dans le deuxième étage, là. Chez méchant, c'est Tobé Alexis qui crée le comme gang. Vite l'homme innocent, du CSDP, ça Ariel Henry, dans la réunion El Rancho, dans l'hôtel Boulos, là, qui crée 400 Marousso. C'est gang eux-mêmes. G9 explique au barbecue. Comment Boulos qu'on voit une motocyclette Bali et comment Yuri la tortue qu'on voit ce Bali. Donc, les gangs ont tué les policiers. Qui côté le commencé? Il commence avec Aristide, qui fait gang Cité Soleil, général Titi, tué policier Marie-Christine Jeune. Nous pas fait le pays pour ça. Aristide fait gang tué 252 policiers dans l'opération Bagdad. Nous pas fait le pays pour ça. Jocelyn Privé comme ministre intérieur distribuer zambay gang pour touyer policiers, nous va faire payer pour ça. Yon ancien député touyer commissaire divisionnaire Michael Lissis qui était directeur de CPJ pour être arrêté comme mauvaise affaire, nous va faire payer pour ça. Membre organisation criminelle Fantôme 509, moun que tout moun connaît, touyer policier SWAT team Patrick Anoza et tout moun connaît Dimitri Vob Abet Odorsé. Fait laguer assassin qui touillait policier Patrick Anoza sans nous pas faire le payer pour ça. Nenel Kassi a habillé un paquet gang en policier et d'après laguer gang dans le département NIP pour pas faire le payer pour ça. André Michel servi à gang pour tirer sous policier pendant violence là, bah témoignage qui était dans la radio côté policier a expliqué nous pas faire le payer pour ça. Au contraire, c'est politique Cap Bay André Michel qui crée 400 Marousso sécurité chef gang Vitel l'homme bay tout détail ça dans radio nous pas faire payer pour ça ensemble avec SDP qui crée 400 Marousso qui touye inspecteur police là Tolbé Alexis crée chien méchant nous pas faire payer pour ça oligarque final Boulos alimenté gang G9 dans Cité Soleil qui li rele agent de développement nous pas faire payer pour ça Dimitri va créer Fantôme 509, captouye policier, nous pas faire payer pour ça. Ariel Henry, participe dans touye 58e président, nous pas faire payer pour ça. Et Josué Pierre, lui, a invité Vitel l'homme innocent, vient faire réunion avec lui dans palais et a supporté gang, nous pas faire payer pour ça. Qui est-ce qui a faire gang yo payer pour ça? Les premiers étages, à deuxième étage de sécurité, à nous pas jamais. C'est là nous y est dit. Mais sans les, c'est la justice qui t'a donné mettre l'embrun contre Mounsao. Pardon Yves. Allô? Oui, sorti. C'est la justice qui t'a supposé mettre l'embrun contre Mounsao, sorti là. Bon, la justice pas fait rien. Qui est-ce qui a fait au pays pour ça? Qui la justice qui a fait au pays? L'est que depuis 13 mois presque. C'est Dimitri Vob Beto Dossé qui a dirigé le ministère de la Justice. Ni Dimitri Vob, ni Beto Dossé qui contrôle le ministère de la Justice, yon nan gang. C'est eux-mêmes qui ont plagué gang à partir du ministère de la Justice. Beto Dossé nan zafè zambo de PA. Même si Beto Dossé a sacrifié Fritz Sobou, l'a sacrifié Michel Virgil, l'a sacrifié Robinson comme conseiller dans le ministère de la Justice, Beto Dossé te baye feu veli pour plagué nek. Qui ont arrêté pour deux PA. C'est pour ça que c'était couru parti, sans pas dire personne côté l'aller, il était paniqué. Jodi a sacrifié Robinson, il sacrifié Fritz Sobou, il sacrifié Michel Virgile, mais Beto Dossé, dans le trafic de Zambo de PA. Qui est capable de un gang, le ministre de la Justice qui passe 6 mois dans la prison pour gang? Parce qu'il était dans la cocaïne. C'est sa réalité à elle. C'est différent ça qui fait entre nous-mêmes et Salvador. Salvador, autorité de l'État pas dans gang, c'est pour ça qu'il a touillé 3000 gangs, il a arrêté 43,000 leaders politiques oligarques qui dans gang, il a cassé le Salvador. Je ne j'en dis pas. Nous, j'en parle du premier étage de sécurité qui a Boulos, qui a Pacha Avok, qui a Jean-Marie Vok, qui a Aristide, qui a Matéli, qui a Privé Ladon. Nous pas même comment aller ouais pour parler de lui. Personne tout nèg peut parler de premier étage insécurité à deuxième étage insécurité à tout nèg connaît ces politiciens traditionnels qui n'en gang avec ancien parlementaire c'est deuxième étage insécurité à toute la journée tout le monde a parlé de troisième étage là
Mais premier étage en sécurité, à deuxième étage, là, tout le monde fait moyen. Et c'est là le problème. Non, tout autant ne pas craser premier et deuxième étage. Là. Dans le premier étage, là, son grain nek qui nous mène, Clifford Brandt. Et sans pile goumen, écoutez, Marie Clifford Brandt. Je vous dis, depuis nous finissons Marie Clifford Brandt dans le premier étage, là. L'autre nek pour nous marier, Original Boulos, Dimitri Vop, Jean-Marie Vop, Aristide, Matéli, Ariel. Nous pouvons marier. Donc, la sécurité n'a pas campé tout le temps de bakraser, ni premier, ni deuxième étage là. Deuxième étage là, les politiciens traditionnels, yo. Nenel Kassi qui fait SDP, André Michel, SDP qui crée 400 Maozo. Tout autant que nous pas manger deuxième étage, à premier étage de sécurité, les policiers font commencer à tomber. Mm-hmm. Bon, dans ce qui concerne le dossier pour le PA et Sandley Lucas, est-ce que vous pensez que le ministre de Justice là, et l'État impliqué dans le dossier ça? Hein? Totalement. Et M. Koury sacrifié Robinson, Fritz Sobo avec Michel Vigil, qui a sauvé tête. Et Beto Dossé font. Toute femme capitaine des matins connaît comment le ministère pays d'Haïti fonctionne, particulièrement le ministère de la Justice. Vous pensez un commissaire gouvernement pour aller là pour le monde sans pas avoir tête ministère? Eh bien, vrai. Commissaire Michel Vigil, pas pral la des trafiquants d'âmes dans aucun bébé de paix, si bête ou dossier, pas bail feu vert. Et c'est pour ça que je dis, ya, vous pralouez si ma dans la ligne, à courir en sécurité, ya. Parce que dans le cas de paix, ya, si ma dans la ligne, pas qu'à appliquer résolution 2645 là, contre bête ou dossier, à Dimitri Vob, qui est ministre de la Justice, non, mais depuis 13 mois, ma dans la ligne, à courir comme si pas qu'à faire ça. Parce que résolution 2645 est très clair. Depuis qu'on gros autobré dedans pays d'Haïti qui a fait ça montrer qui a couru gang qui n'a insécurité instabilité politique, faut que saisi tout compte en banque qu'il gagne en Haïti à l'étranger et empêcher le voyager. Je dis à li clair que dans dossier pour de conformément à résolution 2645 Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est bête au dossier à Dimitri Vop. Ministre de Justice là. Beto Dossé à Dimitri Vop. Parce que ni Robinson, le ministère de la Justice, ni Fritz Sobo, qui directeur affaires judiciaires, ni Michel Vigil, qui commissaire gouvernement pour de paix, dans le trafic d'armes pour de paix, il n'y a pas de rien sans Beto Dossé. Et Beto Dossé, pas de rien la régler dans le ministère sans pas de autorisation. Moun qui mette là, Dimitri Vop, il ne faut pas oublier que non seulement monsieur était en prison pour 6 mois pour drogue, mais monsieur, c'est ancien avocat Sojenek, qui est Dimitri Bédel dans le ministère pour faire ça la paix là. Donc, je vous dis, si Nations Unies sérieux, il faut y appliquer l'article 2640, résolution 2645 là, à Dimitri Vob et Beto Dossé. Mais ça, tout le monde et tout oligarque qui est dans le premier et deuxième étage en sécurité dans le pays d'Haïti a commencé à prendre des choses au sérieux. Donc, où estimez les mesures qui prennent compte Fritz Obou, Robinson, Pierre-Louis et également Michel Virgile? Monsieur Sao, c'est des fusibles, ils ont sauté. Hein? C'est même Jean, dans tout le président Jovenel Moïse, là, qui fait partie du système. Là. Il a tout Gilbert Dragon en prison pour ne pas parler. Parce que c'est Gilbert Dragon qui était en contact avec le chauffeur président. C'est même Jean, oui. Ça veut dire que Beto Dossé, c'est monsieur qui fait la guerre trafiquant Zamio. Et puis, les bagages là, pour une dimension qu'il prend dans la presse, là, il sacrifie Robinson au bout avec Michel Vigil. Et si vous avez mal à parler dans le DCPJ, il y a tout trois necks qui sont dans le DCPJ, même Jean Yotouye, Gilbert Dragon qui était dans la prison. Et pas la première fois que vous avez fait ça, vous songez pour qu'il y ait 32 millions de dollars américains pour des pères. Mais yo touye un inspecteur de police dans prison pour de paix, yo touye un lot dans prison pour de presse. C'est système dans cap travail. Système dans gen trois étages. Dans premier étage là, nous sommes tous. Dans premier étage, et insécurité et système nan, ou gen Boulos, Pacha Vob, Jean-Marie Vob, Reginald Boulos, Aristide, Michel Matéli, Jocelyne Privé qui dans premier étage là. Dans deuxième étage là, ou gen politicien traditionnel ak ancien parlementaire. Et dans le troisième étage là, où il y a ATA, chef gang, c'est de yon toujours parler. Mais tout le monde paie premier à deuxième étage là. Tout autant pas craser, premier et deuxième étage, policier fait
fait commencer mourir dans pays d'Haïti. Faut nous suspendre en dedans pays ya même m'a goumé en pile pour policier protéger. Protéger policier son bagage sacré dans démocratie. Policier son bagage sacré que lié. Depuis 12 mois, policier a mouri comme si c'est pas rien que yoyé. A mon trop que autorité l'état yo c'est eux même qui voyait policier al touyer gang caponné policier pour pas faire travail yo. Et bagage ça ça Aristide qui vient avec dans pays d'Haïti. L'elle te touye Marie, policier Marie Christine jeune li fait gang touye yo et puis pour Aristide caponné la police, li fait opération Bagdad pour que gang yo te touye 252 policiers. Après sa pratique ça a vinn continuer avec l'autre autorité l'état. Pour camper pratique ça et respecter la police et policiers. Bon, et sans les pour être capable sauver et réputation, sauver image gouvernement ça, est-ce qu'on estime le nécessaire pour Ariel Henry t'a écarté dans le gouvernement et en attendant on enquête l'ouvrir pour capable faire lumière à cette question. Donc et pas grand qui dit l'impliqué, mais et par rapport à Jean et toute parole qu'a dit sous question ça, est-ce qu'on pense le nécessaire pour gouvernement t'a écarté donc pour premier ministre t'a écarté le gouvernement? Écarter seulement, écarter et arrêter, même je me suis arrêté Robinson, je me suis arrêté Fritz Sobo, je me suis arrêté Michel Vigil, Robinson qui s'est conseillé dans le cabinet, Fritz Sobo qui est directeur affaires judiciaires dans le ministère de la Justice, avec Michel Vigil qui est commissaire gouvernement. Faut écarter monsieur comme ministre, révoquer lui et puis arrêter le même côté, pour voir un signal très clair. Par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a pris la résolution 2645 au sérieux. Mm-hmm. Et madame Lalim, si madame Lalim sérieux dans le gang dans le pays, elle doit appliquer la résolution 2645 à Dimitri Vob et Beto Dossé. Mm-hmm. Donc, qu'en est-il de l'Église épiscopale d'Haïti, qui n'a cité dans cette affaire d'importation d'armes illégales? Dans le pays, information bien sûr démenti, mais et nous voyons quand même un peu le monde croit que l'Église comme institution morale est adouée quand même. Qui ont analysé l'aspect de l'Église épiscopale d'Haïti dans la question des âmes pour le père? Pour les jeunes, matin particulièrement, jeunes Inagé, jeunes qui sont en sciences politiques, relations internationales, jeunes faculté de droit, qui ont étudié droit, criminologie, jeunes en sociologie, jeunes qui ont étudié journalisme. Moi, je vais nous regarder le livre ça, que UNESCO a publié sur Internet, là, qui est disponible pour nous améliorer la tête, pour les bagages ça arriver, tant qu'à faire trafic d'âme que l'Église épiscopale d'Haïti implique là-dedans. Pour nous comprendre qui j'en pour aborder question ça. Livre ça a relé, son livre qui est fait pour journaliste qui relé enquête journalistique par hypothèse. Dans cas l'Église épiscopale là, il y a trois hypothèses. Bien entendu, enquête ou fin à trois hypothèses, il y a deux qui va tomber en fonction de information qu'on joindre, il y a une qui kembe. On garde trois hypothèses. Première hypothèse là, c'est moun corrompu dans l'Église là même qui dans trafic d'armes. Vous connaissez ça t'est arrivé déjà dans l'Église catholique, le président Jovenel était là, il y a deux monseigneurs qui commandaient 80 tonnes de fer, mais tonnes de fer c'est pas pour bâtir l'Église, c'était pour faire commerce, pour faire contrebande avec lui. Président Jovenel Moïse t'est fait saisir et deux monseigneurs ça yo tellement fâché, yo fait reste l'Église là vienne camper en face président Jovenel. Donc ça veut dire que en dans toute l'Église pays d'Haïti il y a des monde de bien, monde senti bon, monde qui croit dans bon Dieu, qui c'est majorité monde qui dans l'église, mais il y a quelques oranges pourri tout en dans toute l'église yo. Donc première hypothèse là, dans cas ça, est-ce qu'il y a des trois éléments, l'église épiscopale qui corrompu, qui entré dans trafic d'armes. Ou pas l'entrée dans ministère finance, ou pas l'entrée la douane, ou pas l'entrée dans DCPJ comme journaliste qui a cherché pour garder est-ce que c'est hypothèse ça. Deuxième hypothèse là, c'est moun dans ministère finance, moun corrompu dans ministère finance, Ricapier dans ministère planification, moun corrompu dans directeur dans direction qui occupait affaires culte dans ministère affaires étrangères, c'est moun sa yo qui fait servir à papier l'église pour faire trafic d'âme. C'est deuxième hypothèse là. On va regarder la douane, on va regarder tout côté pour garder est-ce que c'est hypothèse ça.
Troisième hypothèse, là, c'est des gens corrompus dans la société qui servent à papier l'église qu'elle fait. Pendant que je parle là, jusqu'à présent matin, c'est la première hypothèse là qui est tombée. Des gens corrompus dans l'église là, qui fait. Mm-hmm. Jusqu'à présent, matin, dans trois hypothèses là, en fonction des formations qui sortent dans le DCPJ, moun ki a arrêté, en fonction de informations qui sortent dans le ministère finance, la douane et Jean Sey des déclarations faites sous moun qui dans l'église là impliqué jusqu'à présent matin pendant ma passé deux trois moun corrompu dans l'église épiscopale qui impliqué. Hypothèse ça a tombé puis devant mais pour le moment m'a parlé matin 25 juillet et c'est hypothèse ça kembe. Mm-hmm. Bon, ça mandé pour enquête là approfondie. Dans perspective pour nous pour capable fixer responsabilité et lever toute suspicion autour de l'église épiscopale d'Haïti. En même temps tout faut poser cette question, est-ce que pral gain approfondissement parce que qui est-ce que l'église épiscopale prend comme avocat et c'est Samuel Madistin un avocat système là qui connaît qui gens pour casser faire pour ça. C'est même Madistin ça qui est avocat Boulos. C'est même Madistin ça qui dans fondation J'éclairé. C'est même Madistin Saha qui est candidat à la présidence. Ouais, toute incompatibilité, c'est parce que monsieur fait partie des monde qui n'ont droits humains, qui comme avocat sont spécialistes dans casser faire pour ça. Est-ce que c'est pour ça l'église épiscopale prend son mauvais signal que l'église l'en fait? Vous voyez, laisser Madistin on est qui habitué casser faire pour ça dans le système là, c'est au même, c'est lui-même qui prend comme avocat. Monsieur fait partie du système là. Donc, c'est-à-dire, ou très pessimiste quant à aboutissement enquête autour de cette affaire. Bon, il y a une bagaille qui fait beauté pays d'Haïti, même les gens qui contrôlent le système, observent via institution pour casser faire couvrir ça, il y a quelques journalistes engagés en dedans pays et militants dans la société civile qui ont eu contre corruption, qui ont eu contre insécurité qui engagé, malgré tout ça. J'ai faux système n'en fait pour casser faire couvrir ça la vérité toujours sorti garder 13 mois après malgré tout j'ai faux que Ariel Henry a autorité l'état qui là monde qui dans la justice malgré tout blocage qui ont fait malgré dernier 5e juge qui ont metté à c'est pour faire théâtre casser faire couvrir ça garder 13 mois après 95% malgré tout j'ai faux pour casser faire couvrir ça nous qu'on a 95% tout monde qui touyer président Jovenel Moïse yo pral peut-être essayer faire ça dans affaires amnan et c'est pour ça monseigneur qui senti bon monseigneur qui propre qui gain intégrité dans l'église épiscopale pito yo même yo travail pour joindre qui est qui fait trafic amnan tout bon et si c'est tout bon sans dans l'église là que moun sa yo yé faut monseigneur sa yo pour montrer vertu pour montrer croyance dans bon Dieu croyance dans la Bible c'est yo même qui révoquer moun sa yo pour la justice ka kaserin yo. Mais si vous quittez ces peuples-là qui viennent montrer, mais qui est-ce qui fait trafic d'armes ça, l'Église déjà perd crédibilité dans ce scandale ça, elle va perdre plus crédibilité puis devant, si ces peuples-là, au lieu de l'Église qui fait la vérité sortie, je ne vous dis pas, si Monseigneur qui est dans l'Église, là, voulait qu'un B intégrité l'Église épiscopale, faut que nos délais ne pas dépasser 15 jours, c'est eux-mêmes qui sortent le rapport par eux, avant que c'est la justice. Ou bien l'autre monde qu'elle fait enquête pour découvrir qui ça la vérité. Il est bon pour l'église que dans 15 jours qu'à venir, c'est eux qui sortent le rapport qui découvre parce que son bagage qui pas pour non l'église impliqué dans trafic fait ou dans trafic d'âme. Il est pas bon pour chrétien, il est pas bon pour avenir si bien-être spirituel pays parce que nous même fidèles yo, moi même c'est catholique, l'église c'est nous c'est l'église. C'est nous même fidèles qui doit nettoyer l'église si gen monseigneur et mauvais grain là-dedans. Les oranges pourries qui dans l'église yo, faut que nous nettoyons. Quel catholique, quel protestant, quel baptiste, quel épiscopal, quel vaudou, nous même comme fidèles yo, nous pas qu'à quitter les oranges pourries dans l'église, même gens nous pas qu'à quitter les oranges pourries dans l'état pour nettoyage qui fait. Et c'est pour ça m'a demandé est-ce que pas de bon mouvement dans pays là? Je vous dis, on a parlé là le 25 juillet pour nous préparer 18 novembre pour nous faire un tabou la rasa avec le système. Nan. Pour nous passer pour un système. Nan. Nous ne pouvons pas passer pour Ariel Henry pour ne pas passer pour Aristide. Nous ne pouvons pas passer pour Aristide pour ne pas passer pour Matéli. Nous ne pouvons pas passer pour Matéli pour ne pas passer pour Privé. Nous ne pouvons pas passer pour Privé pour ne pas prendre Olympique qui est au boulot, Bob et la vie. Il faut nous garder si 18 novembre,
nous ka débarrasser pays a de système ça qui a fait son peuple à couler. Bon, pendant parler de changement système, nous songer son ancien président Jovenel Moïse te gen tout en mobilisation pour changer système et bon, et 7 août cap vini là pour le faire et 13 mois depuis ancien président il a assassiné la Kaili dans condition tragique et en peu monde pas senti la justice autour de enquête qui ouvri pour faire le jour sur assassinat ça et dernier juge qui nommé sous dossier a mon yo pas tellement senti et m'kwè le temps de seulement loco désir et dans cas d'instruction dossier a et qui sont cadi nous sous ça et Stanley Lucas et qui j'en comprendre Jean la justice haïtienne avancé avec enquête sur assassinat ancien président Jovenel Moïse. Bon, pendant 13 mois, c'est autorité judiciaire ou même qui a saboté et bloqué enquête là. Ça est clair pour tout le monde. Et c'est pour ça que pendant 13 mois, c'est enquête populaire qui permet nous ouais à 95% qui est-ce qui touille président comme blanc, comme oligarque, comme politicien traditionnel. Comme on veut infiltrer en dans palais dans commandement la police là. Donc théâtre que juge qui l'a fait c'est son liste 13 monde que au bali son juge qui sorti dans l'espoir unité que nèg l'espoir unité qui participer dans tout les président contrôlé. Donc c'est pas étonnant c'est Loukou Désir qui l'a invité.